Yo tout le monde, c'est Tario, j'espère que vous êtes tous très bien. Moi ça va super bien, je vous donne parti pour de nouvelles vidéos sur les paysans français. On va terminer le défi d'herbe, j'espère que ça va vous plaire. On est parti, juste après l'intro. Donc les amis, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien, je suis avec Zero, salut. Salut à toi, salut à tous. Comment vas-tu? Ça va très très bien et toi? Super bien. Alors donc les amis, aujourd'hui une défi d'herbe à terminer. On est, donc pour l'instant, j'ai de la chance, je suis un peu en avance par rapport à Zero. Je rappelle que c'était de faire 80 000 litres d'herbe. Pour l'instant je suis à 38 000. Zero, je crois que t'es à combien? 34 000, je suis à 34 000. Ok, 34 000 pour Zero. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer le défi aujourd'hui. Je rappelle que le premier gagnera le champ de son choix. Donc voilà, si jamais on gagne, j'ai mon idée. Et le deuxième du coup, de rembourser l'autochargeuse au premier et a droit à 30 000 euros d'outils de son choix. Du coup Zero, juste avant de commencer la vidéo, est-ce que tu veux récupérer le biogaz qui pour l'instant est à moi? Ouais, je pense que je le prendrai, bah quand t'auras tout vidé, je le prendrai, ouais. Bah là, mais je m'en sers pas, donc tu peux récupérer tout ce que tu veux, je te le revends en tous les cas, bim, et tu peux le racheter quand tu veux, donc voilà. D'accord, ok, pas tout. Ok, bah du coup, on est parti, on se retrouve à la fin pour débriefer de ce qu'on a fait. Donc les amis, j'espère que vous êtes tous très bien, on est parti du coup pour continuer ce défi. Défi de 80 000 d'herbe, faut absolument qu'on le gagne les amis. Pour l'instant, on en avance, donc pour l'instant, on va essayer de faire le maximum. Donc là du coup, je suis dans le champ d'herbe, donc ce champ d'herbe du coup a été fertilisé, tout est à 100%, c'est parfait. On va juste du coup ramener pour l'instant les bonnes enrubanées et après on commence directement la forge, les amis. Bon, on se dira, je crois qu'il commence maintenant directement parce que bon, il a un petit peu de retard, donc logiquement ça devrait le faire. Donc si on gagne, en vrai les amis, merci pour tous vos commentaires, encore une fois merci pour vos messages, parce que du coup j'étais parti en tournage lundi dernier et merci de vous plaisir pour tous vos messages. Et du coup, alors le champ qu'on va s'acheter, parce que du coup si on gagne le défi, on gagne un champ. Le champ du coup, ça serait le champ 41, c'est le plus gros champ de la map hein, les gars, clairement c'est celui qui est tout en bas, donc c'est un gros champ d'herbe que du coup je voulais vous avais dit que, alors tu peux commencer, tu fais une ribonnet dedans et après ce que tu fais c'est que tu le mets en mode champ, enfin tu le mets en soja ou en blé et tu te fais masse d'argent. Donc je pense qu'on va faire ça les gars. Donc voilà, bon attendez, lui je le laisse là parce qu'il faut absolument qu'on perde pas de temps du tout. Donc on va récupérer, alors on va changer de technique, on va changer de technique pour le défi les amis. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faucher à l'avant et à l'arrière, on va directement le mettre autochargeuse. Comme ça on perdra pas le temps de endainer. Je pense, c'est, alors je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, je sais pas du tout. Parce que Zero fait exactement pareil, mais Zero par contre a une faucheuse un peu plus large. Donc j'espère que ça va pas trop influencer, enfin ça va le faire j'espère. Donc on va voir, donc là ça a l'air qu'il faut qu'on fasse en gros, parce que l'autochargeuse elle fait 40 000 si je me trompe pas. Et l'effet c'est 80 000, donc faut essayer d'en faire 2, bah même un peu plus de 2 en gros. Mais bon en gros Zero m'a dit si jamais t'es à 75 000, dis que t'as gagné quoi. Parce que bon, moi je pense que j'aurais pas assez de prix, donc ça devrait faire l'affaire. Allez c'est parti les amis, on est go, j'espère que ça va le faire. Normalement le classe est assez puissant, je dis bien normalement. Ce qu'on va faire c'est qu'on va attaquer directement le gros champ, ou celui-là. En fait on s'en fout, les deux c'est pareil, les deux ont été, j'ai mis de la chaux, il a été fertilisé donc c'est parfait. Alors attends du coup on déplie, oui du coup ceux qui m'ont dit, ah, merci pour vos commentaires, attends du coup on déplie l'avant, faut pas qu'on perde de temps les gars. On active, on baisse, on active et c'est parti en avant le défi. J'espère que ça va vraiment produire, on va se mettre là, ah oui j'avais pas fertilisé là, voilà, on va se mettre comme ça. 3%, bon les amis du coup on est parti. Ce qu'on fait c'est qu'on fait ça et du coup à la cuve à l'avant, on m'a dit que c'était un truc pour, attends j'avais noté quoi. C'était pour ajouter un conservateur à l'herbe, genre c'est un conservateur avec de l'acide je crois. Et du coup ça sert à conserver l'herbe qui est auto-chargée. Et je savais pas du tout, donc merci pour vos commentaires. Ok donc les amis on est de retour, donc je suis pas plein à 100%, j'ai déjà du coup terminé la petite parcelle qui est à côté. Bon je vais bien accélérer parce que sinon si je suis pas accéléré bon c'est beaucoup trop lent pour vous. Donc là ça veut dire qu'on a plus de 70 000, enfin on a pratiquement 70 000 pour l'instant d'herbe, il restera 10 000 à faucher. Mais du coup je suis sorti de l'autre champ là-bas vu qu'il était déjà terminé. Ce qu'on va faire aussi les amis c'est qu'il faut qu'on aille vendre le cheval. Le cheval vaut 50 000 euros, donc logiquement à la fin de la vidéo, à la fin du défi on devrait avoir masse d'argent vraiment. Donc ça devrait être pas mal du tout, on va pouvoir s'acheter, alors j'avais envie d'acheter des cerfs les gars. Vraiment j'ai envie d'acheter des cerfs. Je me suis dit que ça peut être sympa de faire dans la partie des cochons, d'avoir des cerfs. Allez tourne. Ah il galère. En vrai il est puissant mais sans plus un tracteur hein. Allez vide, nickel. Donc là du coup ça fera 70 000, hein. 70 000 d'herbes les amis. Bon je pense que ça va dépasser hein. Tout rentrera pas dans le bâtiment, mais c'est pas grave, on va se dépêcher. Ce qu'on va faire c'est que je vous refais un accéléré après. Et what c'est quoi qui tourne, il y a un truc qui... What c'est moi, il y a un truc qui tourne là. Qu'est-ce que c'est? Non c'est des... Ok c'est l'ombre. Ok vide. Et on est parti du coup direction. Il faut qu'on aille faire encore 10 000. Quand on a fait 10 000 les amis, on a fini le défi. Mais je pense que Zero... Ah ça va être serré. Je suis sûr que... Allez voir la vidéo de Zero parce que du coup Zero fait sa vidéo sur sa chaîne. Allez voir, mais je pense que c'est hyper serré les gars. Le rond-point, on est content. On le prend dans le bon sens les amis. On va aller du coup faire le champ d'herbe qui est juste ici. Celui-là, j'avais tout fertilisé au 100%. Normalement ça devrait être bien. J'aurais peut-être dû aller dans ce champ dès le départ. Peut-être qu'en vrai j'aurais pu faire les
40 000 d'un coup et je me serais pas embêté en vrai à faire tous les allers-retours parce que dans l'autre champ en vrai fallait monter, fallait tourner, faire demi-tour et j'avoue qu'il y avait, en plus il y avait une partie avec des mauvaises herbes, je sais pas pourquoi j'avais pas mis mauvaises herbes, mais bon on va essayer de faire le maximum en tout cas. Donc ouais, du coup si on peut on essaiera de vendre le cheval, je pense que ça peut être bien parce que 50 000 euros de plus, plus l'autochargeuse qui va nous être remboursée si on est premier, parce que attention on n'est pas encore premier les gars, moi je voulais vraiment qu'on soit premier parce que si on n'est pas premier par contre ça va changer tout hein, parce que si on n'est pas premier les gars faut qu'on rembourse l'autochargeuse à zéro, enfin ça va être, franchement faut qu'on soit premier les gars. Bon, ce qu'on fait, je continue un petit peu, on va être à 10 000 en vrai là. Attends, on avait combien? On avait 40 000, enfin 38 plus, donc on avait 70 000. On va la remplir à 15 000, on va remplir la l'autochargeuse à 15 000. Ok, parce que le défi c'est faire 80 000 litres d'herbe, hein. C'est pas l'amener, hein. C'est faire 80 000 litres d'herbe. Donc logiquement, dès que je suis à genre 15 000, je dis gagner et stop les gars, faut qu'on gagne vraiment les gars. Oh là là. Et si jamais Zero dit quoi? Non, bah, j'aurai le temps d'aller l'amener au bâtiment comme ça. Allez, 11 000, on va juste refaire le tour. Ah oh, Zero, j'ai peur qu'il gagne, j'ai vraiment peur qu'il gagne. Ok, là c'est bon, 11 000. En fait, faut qu'on soit large, hein, parce que si on n'est pas large, ça va pas le faire. Ok, on désactive l'avant. Et on a 12 000, ça passe. Normalement, on avait 38 000, donc ça fait qu'on a. Oh, normalement, on a pile assez, les gars. Ok, attends, vite, je me dépêche. Voilà. On va y aller. j'ai peur que dans le chat, il y a écrit Zero. Et 20 Zero me dit. Oh non, bloque pas. Allez, vite, passe. Ok, on arrive. Donc Zero n'a pas encore dit le message. Et en vrai, je suis stressé, les gars. Genre, je suis stressé. Il faut qu'on gagne. Vraiment, si on gagne en vrai, les gars, je veux que vous mettez le maximum de likes. Vraiment, s'il vous plaît. Et si on perd, bon, bah, du coup, vous mettrez de likes chez Zero. Mais normalement, allez, là, on y est. Si Zero met le message. En vrai, elle s'y met le message là, en vrai, c'est égalité, hein, vraiment. Donc là, on vide. Et dès que c'est vide, les amis, je dis qu'on a gagné. Allez, 12, 12, 9, 8. Oh non, le bâtiment, il est trop plein. 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Gagné. On a gagné les gars. Donc c'est bon. Attends, je refais bien le calcul. On avait donc 38 plus tout à l'heure. Du coup, on a remis combien? On a mis 30. Donc ça ferait 4, 8. Il a écrit quoi? Je crois qu'il a écrit un truc genre Sping, Spus. Je sais pas qu'est-ce qu'il a écrit. À mon avis, c'est une insulte. Bon, bah les amis, nickel. Je suis content. On a réussi à gagner le défi et sans tricher. Et ça, c'est pas mal, les gars. Bah écoute, attends, je vais me démuter et voir Zero. En fait, pas du tout. Oh, oui, bonjour. Ouais, heureux. Bah salut. Salut. Alors, mec, je suis content, coup, alors, vraiment, franchement, vraiment, mec. J'étais en stress. Tu sais, il manquait combien? Non. Il manquait 3000. 3000, ok. Mais moi, j'ai fait plus. Mais, j'avais. Parce qu'en mais vrai, t'as vidé fait... ou pas? J'ai vidé, ouais, tout est vidé, tout est ah nickel. Ouais, non, ça me ce qu'on va faire, okay, c'est qu'on va aller l'arranger. Mais voilà, du coup, bah, GG à toi. Mais ouais, du coup, mais tu... je pense qu'on va, on va s'envoyer l'argent pour les gagnants, en tout cas. Ouais, ouais, pour ok, les, ça marche, ça marche, ça marche. Et puis voilà, on va faire directement mais ça. Je t'avoue que moi, c'était un petit peu stressant. Je t'avoue, mec, genre, à la fin, mec, en sortant du gros champ, tu sais, le gros champ que j'ai à côté de Bugaz, là. Ouais. Il y a un gros talus. Mec, là, j'ai coincé autochargeur dans le talus. J'étais en mode, oh, pas possible. Ah, mais même moi, en fait, moi, j'avais un champ en côte, et du coup, le problème, c'est que ça passait pas, quoi. L'autochargeur, elle était trop lourde, quoi. Et c'était compliqué, voilà. Donc bah écoute, GG à toi, allez dire GG sur la vidéo de Zero et puis voilà. Ça fait bon. Chier mais bon. Ouais, okay. Bon les amis, on est de retour après tous les transferts d'argent effectués. Nous avons actuellement 275 000 euros. Alors pour vous expliquer, donc on a assez d'argent, exactement, on a l'argent exactement pour pouvoir s'acheter le 141. Alors beaucoup de gens voulaient vraiment qu'on s'achète parce que c'est un gros champ. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour l'instant, je pense que demain en live, on fera une grosse coupe d'enrubané et on remettra tout après en culture, on fera du soja ou peu importe pour avoir max d'argent. Donc on va s'acheter le champ, les amis, c'est parti, donc 41 000 euros. Donc ce qui nous fait qu'il nous reste encore du coup 71 000 euros, tout simplement parce que Zero du coup m'a envoyé les 50 000 euros qui étaient du défi. Donc du coup, on, voilà, pour rembourser l'autochargeuse. Donc en vrai, il est voilà, franchement les gars, allez au moins voir sa vidéo et marquez lui quand même. Bravo quand même, tu vois, parce qu'il a quand même, franchement c'était serré et j'avoue que moi j'étais un petit peu en stress, donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est que l'autochargeuse, je pense que pour l'instant on va la garder, on va la ranger, enfin voilà, on va la ranger, on va la poser sur le côté. Et ce qu'on va faire directement, c'est que on va s'acheter, enfin déjà on va vendre notre cheval parce que du coup il vaut 50 000 euros. Donc d'ailleurs c'est le seul cheval qu'on a fait courir autant parce que vraiment, enfin non, j'avais déjà fait courir d'autres, mais du coup on va le vendre. Bon déjà 50 000 euros, c'est parti. Donc au revoir Jamy, bah, c'est parfait, du coup 49 700 euros, yes. C'est à dire qu'on a 121 000 euros, c'est vraiment bien, 121 000 euros c'est pas mal du tout. On a aussi quelques cochons à aller vendre, on a 23 cochons, il faut qu'on aille vendre un petit peu. Propreté 1%, par contre je vais aller juste nettoyer. Oula, prendre les voitures, ah oui c'est moi qui les ai mis là. On va juste aller au cochon les amis, je vais juste passer un petit coup de balai pour les nettoyer. Et après ce qu'on va faire, c'est qu'on ira voir un petit peu le champ. Et voilà, attends, où est le balai par contre? Le balai est là, oui ils sont un petit peu salis. Ah ce balai on adore, regardez-moi ça. Hop, on met ça comme ça,
Bim bim bim. Mais en vrai, je suis content. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de toutes les vidéos qui sont arrivées. Par contre, le maïs, je crois que le maïs, je l'avais mis exprès pour donner à manger aux animaux. Bon, bah, c'est pas grave. Ok. Bon, bah, les cochons, normalement, c'est bon. On va pouvoir. Alors, on a mis, ce qu'on fera, je pense qu'on essaiera d'aller en vendre un petit peu. Parce qu'on en a encore. On en a 23. Donc, ça en a reproduit pratiquement une dizaine. Il y a déjà depuis le début. Donc, voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même regarder le champ. Donc, en gros, pour vous expliquer le champ. Donc, Zero avait acheté ce champ-là. Et. Ah, mais stylé. Ah, mais il a dit. Ok. Comment il a fauché ça? Par contre, s'il a fauché ça, il a une faucheuse vachement plus large. Hein, parce que moi, ça fauchait pas aussi large. Oui, il avait fait le défi, il a fauché, en plus il était en côte et tout. Donc du coup notre champ, les amis, c'est celui-là. Donc ce champ-là, oh il est vallonné par contre. Et celui-là en moisson, ah si on met celui-là en moisson, les amis, ça peut être vraiment bien. Donc voilà, du coup ce champ-là, on le mettra en moisson. On fera un rubané et après on le remettra en culture pour essayer de faire une bonne coupe de soja ou peu importe. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va s'occuper des serres. Alors les amis, je voulais placer quelques serres. Alors cette serre là, Zero nous a, du coup, alors, on s'autorise à placer. On a aussi tout ça à vendre, tous les cartons, toutes les palettes à vendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on les serres, du coup, on va essayer de faire une sorte de petite nouvelle production de serres. Donc cette serre là, on va la garder, je pense. Mais du coup, on a droit à 3 serres sur la partie. Donc moi, j'avais envie de les mettre là-bas, au cochon. Les amis, il y a rien du tout dans cet endroit au fond. Donc moi, j'aurais voulu genre mettre 3-4, bah du coup. Deux serres, donc deux petites serres ici. Je pense c'est une bonne idée. Donc on va en placer déjà une pour commencer. Et après on verra si on en met plus ou si c'est vraiment compliqué. Donc moi je voulais mettre celle à tomate. Enfin du coup faut mettre celle qui rapporte le plus en fait. Donc 90€ de l'heure. Et je crois qu'il y en avait une deuxième. Celle-là c'était 88. Donc on va mettre celle-là. On va mettre celle à tomate, les gars, ça changera un petit peu. Donc petit élevage. Enfin petit élevage tomate. Attends, je mets juste un admin par contre parce que du coup j'ai donné l'argent à Zéro. Hop, bah du coup, ouais, j'espère que ça vous aura. En vrai, je suis content. On aura fait quand même pas mal de choses dans cette vidéo. Enfin, la vidéo n'est pas finie, mais on aura fait quand même quelques trucs pas mal. Voilà, allez, 25 000€. On va essayer de la placer vers là-bas. Il faut qu'on aille. Si, alors il faut qu'on s'occupe encore de refaucher nos champs. Je pense qu'on va aller commencer à faucher le champ là-bas hein, pour commencer à l'enrubaner. Il y a de l'enrubaner aussi à vendre. On va la mettre où du coup? Parce qu'attends, alors, il y a un côté lisier fumier. Bah en fait, je pense que c'est juste comme ça en fait. Et puis on va la mettre comme ça en fait. Ok, elle est au sol. Je pense que c'est bon. Merde, le temps. Hop. Voilà, et bien c'est parfait, voilà la serre. Donc en gros du coup t'arrives ici. Alors je pense pas que les portes s'ouvrent. Ah si, les portes s'ouvrent. Ah oui, c'est pas... Oh mais c'est trop bien. Les portes s'ouvrent ici. Du coup j'imagine qu'il faut leur apporter donc du fumier et de l'eau. Donc ce qu'on va... on essaiera de faire ça. On va essayer de faire ça, mais juste avant du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... pas mettre de l'engrais, mais on va aller faucher avec l'autre tracteur. Enfin, John Deere, il ira faucher les nouvelles parcelles. Il y a de l'enrubané. Bah, je pense qu'on va aller voir l'enrubané aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, les gars. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, les animaux. Alors, normalement, on aurait dû changer pour prendre la Kinane, la grosse mélangeuse Kinane. Donc, on va accrocher en. Alors. On va accrocher l'endener à ce tracteur-là, même si je pense que l'endener, on va le changer, parce que c'est pas... Enfin, il est sympa, parce qu'on fait des gros tas, mais c'est pas forcément réaliste de faire des gros tas. Et moi, j'aurais voulu changer, alors je sais pas si je l'ai mis sur le serveur, je crois pas, mais c'est un endener feint qui est sorti il y a pas 30 ans. D'ailleurs, je vous ai mis pas mal de mods sur mon site. Si, c'est celui-là. Il vaut 84 000€, c'est un nouvel endener qui est sorti sur un modem en plus, et il fait 14 mètres de long. Donc en vrai, ça vaut un peu cher, mais bah, pour endener, en vrai, ça va faire gagner du temps, parce que ça peut être pas mal. En plus, on pourrait le mettre au feint aussi, donc ça peut être pas mal. Donc alors lui on va récupérer ça, l'autochargeuse du coup. Bah alors vous me direz en commentaire si on la vend. Franchement je sais pas du tout. Sinon on pourrait la garder pour... Attends décroche toi. Sinon on pourrait la garder pour faire de l'ensilage. Mais de l'autochargeuse d'herbe bon, on en fera pas. Bon, bonjour Zero, et Zero est chez moi, qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il va récupérer le semeur à maïs. Ouais j'imagine que oui. Ah là là, Zero, il y a du Johnny partout ici. En parlant de Johnny, les gars, du coup j'espère que le vlog du coup vous aura plu hein, de la semaine dernière. Jeudi du coup ceux qui l'ont pas vu, je vous ai sorti le vlog sur le nouveau John Deere 8R de 2020 qui est sorti. Enfin qui est sorti, qui était le premier vendu en France, donc c'était cool. Enfin je suis trop content d'avoir pu filmer. Et surtout que ça vous a extrêmement plu, c'est ça qui est fou. Donc merci en tout cas à tous et d'avoir regardé le vlog. Je crois qu'on approche des 80 000 vues, donc c'est vraiment bien. Donc merci à vous en tout cas. Aussi, je vous ai mis du coup l'emploi du temps de la semaine, parce que du coup je l'avais pas mis la semaine dernière parce que j'étais pas là simplement. Donc du coup je vous l'ai mis sur mon site, sur Discord et sur Facebook, ceux qui veulent voir un petit peu l'emploi du temps, toutes les vidéos à telle heure, quel jour je fais, sur quelle chaîne. Je pense que ça va être intéressant de voir ça, donc voilà. Bon on va aller à la nouvelle parcelle. Et ce qu'on va faire vers la fin de la vidéo, faut qu'on essaie. Bah, donc lui on va mettre l'ouvrier. Ah si, il faudra qu'on fasse le plein de tracteur, je pense. Il faudra qu'on fasse le plein. On va mettre l'ouvrier et après il faudra qu'on s'occupe des serres, essayer de ramener un peu de fumier et d'eau. Parce que je pense un peu que les cochons ont besoin aussi un petit peu d'eau, je crois. Parce que ouais, j'avoue, il faudra qu'on s'en occupe de ça. On essaie de voir ça. Après, alors maintenant, on va parler du coup des futurs achats. Parce que les achats, au final, bah du coup, alors ça devait être la Kinane. Mais du coup, la Kinane, on la prend pas. Tout simplement parce que c'est une mélangeuse qui est. Bon, certes, elle est plus grosse. Mais le prix d'achat et puis le fait que c'est. Enfin, ça, franchement, ça sert à rien de mettre autant d'argent dans cette mélangeuse. Oula, 200 de temps. Donc du coup on va garder celle qu'on a, ça va être un peu plus chiant à faire des mélangeuses, mais au final bon bah ça c'est pas grave. C'est pas grave. Alors hop c'est parti, lui a... Oh, tout ça en ribonné les gars, oh là là. Tout ça en ribonné ça va être pas mal hein. Franchement, ah oui mais de fou.
Parce que du coup, le champ à côté. Ah, mais Zero a mis tous ses champs en herbe. Hein, vraiment, il avait tout mis en herbe. Ah, ouais, mais franchement. Ah oui, ah oui. Donc là, alors je sais pas si l'ouvrier va dire oui ou s'il va faire. Non, je sais pas. Oh, mais toute cette herbe qu'il va y avoir. Bon, l'ouvrier va se débrouiller. Et maintenant, du coup, on va aller vendre ces petites bottes. Alors, il y a ces bottes-là à vendre et plus de la laine. Alors, est-ce qu'on vend la laine maintenant? Bah écoute, on va regarder si le prix de vente est bon, on va aller vendre la laine directement. Hein, comme ça, on aura re de l'argent. Et on essaiera de voir pour s'acheter de nouveaux véhicules, de nouveaux tracteurs, de nouveaux champs, etc. Donc la laine, enfin la laine c'est pas là. La laine c'est. Tac, tac, tac. Non, ça c'est le. Ah, c'est les œufs ça. La laine 1 400 €. C'est pas fou, mais c'est pas non plus catastrophique. Donc on va aller quand même en vendre un petit peu. Et bah, on a les cartons de poules. Ah, mais il faut qu'on aille vendre les cartons de poules aussi. Mais il y a tellement de choses à aller vendre. C'est fou, il y a tellement de choses qu'on peut vendre dans cette partie. Enfin, en fait, c'est vrai qu'on commence à avoir un petit peu beaucoup de choses à faire et à vendre et à s'occuper. Donc c'est vrai qu'on nous prend pas mal de temps. Bon, et bah, allez, c'est parti avec mon chargement. Mais catastrophique, c'est quoi ce que j'ai fait Moi, à chaque fois que je charge des palettes, mais je fous tout en vrac. En même temps, il y a pas l'autoload. Ce plateau-là, il prend pas l'autoload avec tes palettes de laine. Il prend tout, mais sauf la laine. Bon, bah, c'est pas grave. On va s'occuper d'aller vendre ça. Alors, c'est vrai que je pensais aux moutons, mais en vrai, les moutons, amis, on s'en occupe, mais ça va, on passe pas non plus des heures et des heures. C'est pas comme les vaches. Les vaches, en vrai, on faut que ça occupe beaucoup et ça produit, mais ça produit pas, ça produit du fumier lisier. Mais là, les cochons, tu mets juste un petit peu, les moutons, tu mets un petit peu d'herbe, un petit peu de, tu nettoies un petit peu, et c'est parfait, ils produisent et c'est nickel. Regardez tout l'argent qu'on va se faire. Donc en vrai, c'est vrai que les cochons, c'est une production en vrai qui est tellement bien, genre ça demande pas trop de temps et ça rapporte assez d'argent, donc c'est pas mal du tout. Donc on va aller vendre ça. Ce qu'on fera bien sûr dans le prochain épisode, c'est qu'on essaiera, alors du coup, on essaiera de remettre donc le nouveau champ qu'on s'est acheté, on essaiera de le mettre donc en culture, donc commencer à le récolter. Je pense que ça peut être pas mal du tout, parce qu'on pourra se faire quand même pas mal d'argent vu qu'on a notre nouvelle batteuse, qui en vrai la batteuse qui est pas mal du tout. Par contre, je suis dans le caca, ça passera jamais. Il y a le pont. Oh non, il y a le pont. Oh putain, on va passer là. Désolé, le réalisme n'est pas là, les gars, mais il faut qu'on passe là. Ah, il n'y a pas le choix. Vous inquiétez pas, c'est bon, tout est parti. Ça a juste touché les câbles, mais vous inquiétez pas. Regardez-moi ce chargement que je vous fais, moi. Oh là là, heureusement que ça va apporter des sous. Donc, c'est-à-dire qu'on va arriver à plus de 100 000 €. D'ailleurs, vous me direz en commentaire ce qui fait qu'on rachète un cheval. Parce que c'est vrai que. On a vendu notre cheval et je sais pas si on en rachète un, parce qu'au final ben, on a quand même ça va être notre 3 ou 4ème cheval déjà, donc en vrai je sais pas si on achète un deuxième, enfin un nouveau. Du coup, à vous de dire en commentaire, je sais pas, enfin vous me direz, mais moi je suis pas contre non plus, puisque je le fais courir à chaque fin de live aussi. Donc là, par contre, on va essayer de passer par la route, j'espère que ça va pas taper, parce que vu comment j'ai chargé mon truc, moi je sens que ça va tomber. Par contre, on va monter et on va, je pense qu'on va facile se faire 40 000 € là. 40 000 € de laine, je pense que ça va le faire. On aura donc des champs à s'acheter. Il y a 36 000 de lait à 20, donc ça pareil, c'est énorme. Allez, c'est parti, ça va, regardez-moi, ça va. Alors, j'ai reculé un petit peu comme un sagouin, mais voilà, c'est farming, on adore comment la palette, comment ça bug. Regardez l'argent qui monte, mais c'est fou, mais l'argent qui monte, mais c'est énorme. Mais vraiment, la laine, ça rapporte tellement d'argent. Ah, il y a Zéro qui m'aide, heureusement que Zéro m'aide. On va juste pousser ça sur le côté. Voilà, allez, vend. Ça pareil vend. Et du coup, je vais vous en parler vu qu'avant qu'on termine la vidéo, donc là on va attendre que ça vende. C'est que dans la semaine prochaine, du coup mercredi prochain, nouvelle série qui va arriver sur la chaîne, les amis. Nouvelle série en live logiquement tous les mercredis. Donc, ah non, c'est des fausses celle-là. J'allais prendre celle-là, mais c'est des fausses. Voilà, bon, du coup, c'est-à-dire qu'on s'est fait 30 000 € de palettes de laine. C'est parfait, c'est vraiment bien pour un plateau. Bon, bah, les amis, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Zéro, voir ce qu'il a fait, s'il a acheté des choses ou pas. Et bah, du coup, c'est parti direction la ferme de Zéro. Nous voilà, du coup, dans la ferme de Zéro. Du coup, Zéro, qu'est-ce que t'as fait dans la vidéo? Et bah du coup, j'ai fait le défi, hein, donc j'ai perdu. Ouais, ok. Voilà ce que j'ai fait. Ensuite, du coup, j'ai fini moissonner mon colza pour mes cochons, parce que il faut plusieurs. Et oui, c'est vrai, les cochons, faut s'en occuper, ouais, c'est vrai. Après le défi, vu que j'ai plus d'argent, parce que je t'avais remboursé la machine, ouais. J'ai été la vente de mon côté pour 43 000 € pour que ça passe. Ok, d'accord. En vrai, t'as pas trop perdu d'argent en fait, 43 000 €. Non, parce que ouais, mais j'ai les 30 000 € que j'ai gagné du coup pour le défi que j'ai pas encore utilisé. Ok, d'accord. Je sais pas trop quoi acheter, mais voilà du coup ce que j'ai fait dans cette vidéo. Du coup, Zero nous voit donc dans mes cochons, tout simplement parce que, viens voir ici. Donc j'ai fait un petit achat, je me suis dit ça peut être sympa. Donc ici, oui, j'ai mis une petite serre, voilà, une petite serre. Donc j'en ai mis une pour l'instant, tout simplement parce que je vais essayer d'en mettre une deuxième plus tard. Mais je veux voir un peu le rendement, si ça rapporte beaucoup plus ou vraiment pas beaucoup plus. Donc voilà, on peut vraiment les ouvrir et tout. Donc c'est une serre à tomates, donc je m'en occuperai, j'essaierai de la remplir, je pense, soit en live demain, tu sais, ou soit mercredi, enfin lundi prochain dans la prochaine vidéo. Voilà ce que j'ai fait de mon astuce. Bah, reviens chez moi du coup, j'ai fait du coup donc, le défi, forcément le défi a été terminé. Défi donc de... Derrière, donc l'herbe est stockée toute derrière, juste là-bas. Voilà, mais regardez ça, le bâtiment. J'ai mis un bâtiment, mec, et c'est rempli d'herbe. Donc il faudra que je le. Je sais pas en fait. T'en fais quoi de l'herbe, toi? Parce que moi, je sais pas ce que j'en fais. Hein. Moi, je la vends. Bah, tu peux me la vendre sinon? Pourquoi pas me la vendre sinon? Moi, je me dis qu'en vrai, je vais la prendre, je vais la mettre en andin, je vais la presser et faire un rubané. Et voilà. Bon, je sais pas si on fera. Ça peut se faire aussi, ça peut se faire. Ouais, je sais pas, je verrai ça. Et du coup, grâce au défi, donc je me suis acheté, enfin, je me suis offert du coup le champ 41. Voilà, le champ 41 là-bas. Qui est énorme, de gars, l'ouvrier vient de faucher d'ailleurs. Donc ce sera de l'enrubané. Oh là les gars, tout l'enrubané qu'il va y avoir à faire. Donc là, du coup, il y aura de l'enrubané à faire. Et du coup, voilà ce que j'ai fait dans la vidéo. Et j'ai vendu aussi mon cheval. Voilà, mon petit cheval, j'ai vendu. Ah, t'as vendu et t'en as racheté un?
Pas encore, mais du coup j'essaierai de voir, mais pour l'instant je sais pas, à voir si j'en rachète un à ces abonnés qui vont décider dans la vidéo. Bon bah les amis, du coup j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser encore une fois un petit pouce bleu. Je vous rappelle que demain soir je serai en live du coup pour continuer cette série. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on fait de cette herbe, de ce gros teint qui est derrière moi. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo de... Attends. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de Zero qui sort à 18h sur sa chaîne. C'était Starvieux Zero, à la prochaine, allez, ciao tout le monde.